On lit ou on regarde les nouvelles tous les jours, même si on ne s'efforce pas forcément de regarder une chaîne d'information à la télévision ou même de lire des articles complets en ligne, tout est tellement répandu sur les réseaux sociaux et partout ailleurs en ligne qu'il est pratiquement impossible d'éviter les informations. Les actualités sont devenues intégrées dans notre vie de tous les jours et peuvent nous affecter de bien plus de manières que vous ne le pensez, par exemple en façonnant la façon dont nous percevons certaines personnes, certains pays, certaines idées et plus de choses. Bien sûr, on compte également sur les actualités afin de rester au courant de tout ce qui se passe dans nos vies, comme ce qui se passe par exemple dans les régions où on vit ou ce qui se passe même à l'échelle mondiale. Cependant, comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà, il existe plusieurs problèmes majeurs avec les sources d'informations de médias grand public actuels qu'on connaît tous. Premièrement, pratiquement toutes les grandes sources d'informations ont une forme de parti pris dans un sens ou dans un autre, qu'il s'agisse d'un point de vue de politique, religieux, idéologique ou autre. Un autre problème est que, étant donné que les gens sont de plus en plus conscients de ce biais et à quel point il peut être prononcé et dangereux, de nombreuses personnes perdent confiance dans les informations fournies par les sources médiatiques actuelles, les laissant incertaines de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Même au cours de la dernière année seulement, cela est devenu un sujet encore plus brûlant et largement discuté, car les sources d'informations à travers le monde fournissent des histoires contradictoires sur ce qui se passe dans le monde, en particulier en ce qui concerne des choses comme la politique et la pandémie plus récemment. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet dans lequel j'investis personnellement, et il s'agit de Anomus. Il a été créé afin de combler le vide créé par les sources médiatiques actuelles et fournir aux utilisateurs des informations impartiales et vérifiées tout en récompensant les personnes qui vérifient les informations, les personnes qui publient de nouvelles informations sur la plateforme et même les lecteurs. Avant d'entrer dans les détails du projet Anomus, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir. Et comme je vous le disais, je suis investi dans le projet et cette vidéo est réalisée en collaboration avec Anomus. Alors, pour commencer avec un petit aperçu, Anomus est un protocole d'information décentralisé conçu pour le monde entier. Il a été créé pour rendre les reportages plus justes, impartiaux et équilibrés, tout en fournissant aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester informés des événements actuels. Anomus utilise la technologie blockchain et son jeton natif pour créer une plateforme où non seulement les informations seront fiables, mais où elles sont également non censurables, étant donné qu'elles sont stockées sur le système de fichiers interplanétaires décentralisés, et en plus, chaque élément de contenu est créé en tant que NFT. Étant donné que le protocole Anomus est décentralisé, il sera donc régi par la communauté, ce qui veut également dire qu'il ne pourra pas faire l'objet de pression pour promouvoir certaines idées ou idéologies, et ne pourra pas être influencé par des politiciens, des entreprises ou toute autre entité. Au cœur du protocole Anomus se trouve le jeton Anom, qui a eu son lancement IDEO avant-hier sur Starter.xyz, Synapse Network ainsi que ScaleSwap. Le jeton a une offre totale de 4 milliards et est réparti en plusieurs catégories différentes, comme vous pouvez les voir réparties ici sur ce tableau. 20% de l'offre a été ajoutée en tant que liquidité pour le trading. Un autre 20% est réservé aux incitations afin de promouvoir l'adoption de la plateforme. 7% sont utilisés pour le développement du projet. Au total, 26% sont allés aux rondes privées ainsi que publiques. Comme on peut le voir, 1,84 million de dollars ont été levés lors du tour privé et on a eu 360 000 dollars supplémentaires lors cette fois du tour public. Une autre chose importante à noter ici, c'est que la différence entre le prix du jeton pour les deux tours n'était que de 50% au lieu des nombreux multiples que vous pouvez parfois voir dans les autres idéaux. Les cas d'utilisation des tokens sont décrits dans cet article de support juste ici. Premièrement, les auteurs cherchant à publier du contenu sur Anomus sont tenus de staker des jetons afin de pouvoir publier leur contenu. Le montant requis dépendra de la réputation de l'auteur, qui est décidé selon qu'il publie ou non des informations vraies ou fausses la plupart du temps. Les auteurs ayant donc la réputation de fournir des informations véridiques auront des exigences de staking bien moins élevées, et les auteurs ayant une mauvaise réputation, eux, seront tenus de staker davantage s'ils veulent continuer à publier. Une autre incitation à publier des informations vraies, c'est que les auteurs sont récompensés par des jetons pour avoir soumis du contenu vérifié par les vérificateurs des faits de la communauté. Les auteurs peuvent également gagner des jetons grâce aux publicités dans leur contenu ou aux personnes qui s'abonnent à leur contenu payant. Le cas d'utilisation suivant concerne les vérificateurs de faits ainsi que les auditeurs. Les utilisateurs doivent staker des jetons afin de devenir auditeurs. Cela incite donc les personnes qui auditent le contenu à être honnêtes et précises afin de ne pas perdre les jetons qu'ils ont stakés. Les auditeurs peuvent également staker des jetons afin de signaler un contenu spécifique. Une fois qu'un élément de contenu est signalé, il entre alors dans un processus où il doit être authentifié et déclenche également un conflit communautaire qui peut alors entraîner la modification ou la suppression complète du contenu, et ce, selon évidemment si seulement une partie de l'article était imprécise ou si cela concerne un problème dans son ensemble.
Les auditeurs seront récompensés pour l'audit efficace du contenu et ils ont également une réputation déterminée par la précision de leur vérification des faits des articles. Lorsqu'un utilisateur lit un élément de contenu, il peut staker ses propres jetons dans un pool vrai ou faux, et ce, selon s'il pense ou non que les informations contenues dans le contenu sont vraies ou fausses. Les personnes qui stakent dans le pool gagnant recevront donc des jetons en récompense. Les lecteurs peuvent également utiliser des jetons afin de faire un don aux créateurs qu'ils apprécient ou s'abonner pour accéder à du contenu payant. Enfin, le token Animus va également être utilisé pour la gouvernance du protocole. Les propositions du développement de protocole peuvent être activées une fois qu'un certain nombre de jetons sont stakés dans un pool soutenant une proposition. Les utilisateurs peuvent donc obtenir le droit de vote en détenant des jetons et des initiatives douces peuvent être lancées qui utiliseront les jetons afin d'augmenter l'engagement et pour le marketing. Comme vous pouvez le constater, il s'agit ici de jetons qui est en fait nécessaire au fonctionnement de la plateforme, pas simplement un autre jeton qui a été lancé et appelé jeton de gouvernance afin que l'équipe puisse collecter des fonds rapidement. En parlant maintenant de l'équipe, elle est en fait composée de professionnels de la crypto hautement expérimentés et a déjà reçu le soutien de certains noms bien connus dans l'espace blockchain, tels que Maven Capital et Pools Venture, ainsi que tous les autres que vous pouvez voir juste ici. Des informations sur les membres de l'équipe sont également disponibles de ce côté sur le site. Le PDG, Justin, a plus de 10 ans d'expérience de travail avec des entreprises informatiques ainsi que des startups. On a aussi Tom, dans le rôle de CBDO, qui s'intéresse beaucoup aux applications blockchains et aux innovations fintech et a développé et conseillé avec succès plusieurs sociétés de crypto. Le CMO, Jitis, n'est pas seulement un expert en marketing avec plus de 5 ans d'expérience, mais il est également obsédé par la DeFi, les pré-flash, le MEV et d'autres aspects complexes et techniques des cryptos. Le tech lead, Glarius, a 5 ans d'expérience dans le développement et le service de la blockchain, ce qui est impressionnant quand on pense à la petite taille de l'espace blockchain comme il était il y a 5 ans. On a aussi de ce côté deux conseillers qui aident à guider l'équipe et à faire d'Anomus un succès, et ils sont également montrés juste ici. Si on jette maintenant un œil à la feuille de route, on peut voir que la sortie alpha de la plateforme Anomus est attendue en décembre de cette année, ce qui est, quand on y pense, vraiment bientôt. Également, avant la fin de l'année, on aura la vente NFT du gouverneur et l'intégration PermaWeb. Au premier trimestre de 2022, il y aura la version bêta de la plateforme, le programme d'incitation pour les utilisateurs, le conseil des gouverneurs et la décentralisation complète de la plateforme. Au deuxième et troisième trimestre de l'année prochaine se tiendront la version finale de la plateforme, le programme AIP, la structure DAO, le lancement de la plateforme Anomus et le début de la phase 2 du projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur Anomus, consultez leur site ou pour rester au courant de toute nouvelle annonce, vous pouvez le faire via les liens que vous trouverez dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu les gars et moi je vous dis à la prochaine.